Le Brésil et le Mexique exigent des explications après des accusations d'espionnage par les États-Unis. Les ambassadeurs américains dans les deux pays ont été convoqués hier suite à de nouvelles dénonciations diffusées dimanche soir par la chaîne O Globo. Cette dernière affirme que la NSA aurait espionné fin 2012 les communications de la présidente brésilienne. O Globo aurait bénéficié de la collaboration du correspondant du Guardian au Brésil, un proche d'Edward Snowden, actuellement inculpé aux États-Unis pour avoir révélé un vaste programme d'espionnage dans le monde. Le chef de la diplomatie brésilienne parle de violations inadmissibles. Il a précisé avoir contacté l'ensemble des pays potentiellement concernés par ce scandale, et notamment la Russie, l'Inde et la Chine, les fameux BRICS. Les autorités mexicaines sont également furieuses. Le nouveau président Enrique Peña Nieto aurait lui aussi fait l'objet d'un espionnage illégal. Le ministre mexicain des Affaires étrangères rejette cette attitude américaine et demande une enquête exhaustive. Mexico attend aussi un geste fort de condamnation. Peña Nieto n'était encore que candidat à la présidence du Mexique lorsqu'il aurait été écouté par la NSA. Dilma Rousseff doit en principe rencontrer Barack Obama lors du G20 de Saint-Pétersbourg en fin de semaine.